Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Flash Crypto. Décidément, cette année 2004 démarre sur les chapeaux de roue. Dites-vous bien, dans les 24 prochaines heures, on peut avoir un Bitcoin ETF accepté. Donc l'objectif, c'est que si ça se passe bien, les marchés explosent, bah là, on se laissera guider par les marchés, par les flows. Par contre, l'objet de cette vidéo, c'est de se dire comment on se prépare à l'ETF Bitcoin et imaginer le fameux Sell the News. Je vais vous expliquer comment je vais vendre potentiellement 5 altcoins. Il est certain que dans votre portefeuille, vous avez forcément 1, 2, 3, 4 altcoins qui ont fait des x4, x5, peut-être même plus. Je vais vous expliquer en tous les cas, ce n'est qu'à titre d'exemple, comment moi je me couvre sur 5 altcoins et même sur le Bitcoin parce qu'il atteint une zone critique des 48 000 qui est vraiment une grosse zone pivot. Il peut y avoir un Sell the News et l'objectif c'est de se dire comment on protège ses gains tout simplement. Donc ça va représenter même pas 10% de mon portefeuille, mais je vais quand même vous montrer sur ces altcoins ce que je fais. Ce qu'il est en train de se passer, c'est que ça peut s'accélérer. La SEC a communiqué pratiquement le dernier jour de l'année qu'elle allait prévenir les banques aujourd'hui ou demain. Donc potentiellement, dans les 24 prochaines heures, on va avoir la communication de la SEC et une sortie officielle le 10. Donc c'est vraiment ça, il faut se préparer. Je pense que sur du moyen terme, c'est ultra bullish, bien évidemment. À court terme, l'idée, c'est comment on se prépare éventuellement à un repli du marché. Donc ce qui est très intéressant, c'est que ça y est, c'est vraiment en train d'exploser. 31 milliards sur le Bitcoin. Il n'y avait pas grand-chose ces derniers jours. C'est en train d'exploser, ça revient vraiment en force. 45 006, imaginez, pour le Bitcoin. Pas si loin, vous allez voir d'un niveau ultra, ultra critique. Donc l'ordre que je vais mettre en place à titre personnel, c'est ce qu'on appelle un ordre à seuil, ou dans le milieu des cryptos, on parle plutôt de stop. L'idée, c'est de se dire, si le marché explose, parce que s'il explose, la grosse zone pivot, elle est ici, tout simplement autour des 47 000-48 000. On n'est pas loin de cette zone pivot. C'est une zone qui avait fait le repli, encore une fois, énorme du bear market. L'idée, c'est de se préparer, malheureusement, à ce scénario. Alors, je pense pas qu'on aura ce genre de baisse, mais on peut avoir une belle baisse, suivie ensuite peut-être d'une reprise. L'idée, c'est de se dire comment à court terme. Et vous le savez, hein, on peut avoir des moins 15, moins 20%, malheureusement. Donc cette zone pivot, elle est autour des 47-48. Mon objectif à moi, tout simplement, c'est que je vais mettre un ordre sur une petite quantité de Bitcoin, mais quand même un ordre, avec un stop à 45 100, tout simplement. Ça veut dire que si ça se replie, ça continue à monter, et ça vient jamais toucher 45 100, ma position va rester active, ne va pas s'exécuter. Dès que ça vient sous les 45 100, je vends une partie de mes bitcoins, tout simplement. Et si ça explose, bien évidemment, bah, je continue à surfer sur le token. Ensuite, sur les 5 prochains tokens, l'idée, c'est que je vais vendre 50% de ma position exactement de la même manière. Le premier, c'est sur Stacks. Stacks, j'ai énormément accumulé, on en a beaucoup parlé. Surtout en 2022, ça valait 20 centimes. Donc, j'ai acheté vraiment à des cours très, très bas. Et à un moment donné, tout simplement, je vous explique, je mets une position stop à 1,61. Ça veut dire quoi? Ça continue à exploser, ça va au nord, et ben je ne vends rien du tout. Par contre, ça vient toucher 1,61, mon ordre sur 50% de Stacks va s'exécuter. Parce que aussi, le RSI étant largement très très haut aussi. De la même manière sur Chainlink, ma crainte, c'est que ici on a l'impression d'avoir un bull flag, ça explose, ça range, moi je pense que ça devrait exploser. Je suis très optimiste. Maintenant, ici, c'est une énorme résistance qui date de 2022, autour des 17. Et il peut y avoir un rejet. Voilà, une espèce de double top ici. S'il y a un rejet, c'est simple. J'ai mis un ordre à 15,2, un ordre stop. Ça veut dire que si ça continue à monter, si ça descend sous les 15,2, je vends 50% de ma position sur Chainlink. De la même manière sur IMX, j'ai accumulé, voilà, on en a beaucoup parlé ici, pas mal accumulé. L'idée, c'est de protéger aussi sa plus-value. L'ensemble de ces tokens ont des RSI à 70, 75, des choses comme ça aussi. C'est la raison, c'est pour ça que je les ai sélectionnés. Et c'est aussi des tokens sur lesquels je fais minimum x3, parfois x5. Donc l'idée sur IMX, c'est de mettre un ordre de stop sur 50% de ma position, et je l'ai mis à 2,30. Donc si ça redescend sous les 2,30, ça vend automatiquement 50%. Si ça explose, je ne vends absolument rien du tout. Sur AVAX, exactement de la même manière, ça a très bien pris, on a beaucoup accumulé, souvenez-vous, autour des 10, j'en avais acheté une dernière fois. L'idée, c'est que ça fait x4, x5, ça commence à faire des très belles perfs. L'idée, c'est que j'ai mis un ordre tout simplement à 41. Donc si ça vient, ça continue à exploser,
je ne fais rien. Si ça vient sous les 41, je vends 50% de ma position. Et enfin, pour finir, RNDR. RNDR, l'idée, c'est que pareil, ça a énormément explosé. C'est vraiment une énorme success story. L'idée, c'est que j'ai mis un ordre à 4,80. Donc, si ça vient sous les 4,80, je voulais le mettre à 5, mais je voulais que ça explose un peu plus. Ça aille à 5,3, 5,4. Là, je l'aurais mis à 5, quelque chose. Mais comme c'est autour des 5, voilà, je l'ai mis un peu plus bas. Et donc, voilà un peu ce que je fais, vraiment en utilisant les stops. Les stops, ce que j'aime bien, c'est que si c'est la folie, ça part en hausse, je continue à rester embarqué. Si ça se replie, eh ben, je vends une partie. Le gros truc négatif, je trouve, par rapport à cette stratégie, c'est que si le marché vient chuter provisoirement et ensuite il explose, ben, moi, j'aurais vendu 50% de ma position. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que ce flash vous a plu. On va rester connecté, on va suivre ça de très très près dans les 24-48 heures. Je crois pas qu'on va beaucoup dormir. En tous les cas, n'hésitez pas, pour donner de la force en ce début d'année, un maximum de likes. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à me dire ce que vous en pensez de cette stratégie. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao, tout le monde.